Allez, on enchaîne, Guillaume Coulchen. Au YouTube. Également. C'est Tipa. Pour beaucoup de plaisir. Bonsoir. Combien d'heures à peu près pour finir le jeu? Si on est casu et qu'on découvre le jeu et qu'on se galère le cul, une vingtaine, trentaine d'heures, je pense. Peut-être un peu moins. Ça dépend du quotient galère. Mais le quotient galère, quand on découvre le jeu, il est... le facteur galère, il est conséquent. Hein. C'est pas parce que là, on va torcher le jeu en moins de 10 heures que c'est la règle. C'est juste parce qu'on le connaît. C'est plutôt bien. Alors... Ah oui, donc... Donc serpent désert, mais serpent désert en sous-sol, hein, visiblement. Alors... Du coup... Est-ce qu'il faut quand même se diriger vers l'entrée du désert qu'on connaît? Il me semble que oui. Mais ça devrait être un renfoncement... ouais. Un renfoncement, une bifurcation. Plutôt 8-10 en casu, vous êtes sûr? Que c'est très facile quand même de galérer 15-20 minutes à trouver certains colosses, minimum. Et c'est très facile aussi de galérer sur certaines strats. Je pense notamment à l'avant-dernier colosse qui est quand même un beau jeu de piste du cul. Moi, la première fois que j'ai affronté le 15e colosse, j'étais pas serein et ça a duré longtemps. Hein. Alors. Oui, peut-être 20... Ouais, peut-être 15-20 heures. Mais en prenant bien son temps. Alors. T'as pas validé ce shrine, non? Putain, les arts normales. T'as jamais fait le jeu, tu vas finir 8 ans en stream. Ah, bravo. Sans te faire spoiler, j'espère. Ensuite, si vous collectez les lézards, alors là, ça devient un jeu incroyable. Hein. 200 heures. Hein. 200 heures à pourchasser du lézard à queue argentée. Hein. Là, c'est vraiment là où le jeu prend tout son sens. Je vous le recommande chaudement. 200 heures, tout à fait. C'est-à-dire senteur fion et senteur eucalyptus. Alors. C'est beau, mais c'est loin. Ok. Ah ouais, on voyait vraiment, vraiment peu loin avant, hein. Cette version, c'est beau. Alors. Ah ouais, il y a du chemin. Il y a du chemin à parcourir. Mais voilà, ouais, mais c'est ça. Défoncer du lézard à queue argentée et trouver des fruix. Tiens, d'ailleurs, là, ça fait très longtemps. On a mangé qu'un fruix, hein, pour l'instant. C'est intolérable, voilà. Ça, c'est totalement un arbre à fruix. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il part aux fraises? Alors là, s'il n'y a pas des fruix, je me la coupe. Ah bah tiens, direct. Direct, spotted. Les 5 fruits et légumes, très important. Paf! Cinq fruits et légumes. Ok. Ah bah, toujours plus de fruix. Pas le temps de niaiser. Ça c'est pour le HP max. La jauge de vie. Oh là là! Oh là là! Tant de fruix! Vous avez vu ça? On ne sait plus quoi en faire. Oh là là! Ah mais qu'est-ce qui branle? Hop là! Oh là 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 là, cette jauge de vie qui explose. Incroyable, quelle saveur.
Papayou, papayou. Ok. C'est un bel arbre. Hein. Arbre. Arbre. Glace au durian. Alors. Salut Jogo. Alors. Ah. C'est donc en dessous de nous. Oh. Oh là là, magnifique arbre. Magnifique arbre. Oui, parce que c'est vrai qu'on a une feu meuf à ressusciter. Mais bon. Franchement. Un bon Fruix. Un bon Fruix de chez le primeur. Regardez. Tu l'es différent en plus. Ça c'est formidable. Touche mes castagnettes. Et moi je touche à tes ananas. Hop là. Oh, regardez cette jauge de vie qui explose. On va être invincible grâce à tous ces fruits. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Grand moment de streaming. Ok. Ils sont où les monstres? Calmez-vous, chaque chose en son temps. Alors oui, il est en dessous qu'on nous indique. Nous indique-t-on. Ok. Attendez, alors là, si en plus on a un lézard... que d'eau, que argenté. Oh, oh le petit bâtard. Ah putain, je me gourde bouton vite. Je vais prier, je vais prier. Oh, oh, oh. Magnifique. Alors là, vraiment, quel VOD de qualité. 10 000 pauses bleues, là. Ok. Allez. Mais non. Mais non. Oh, mais non, mais appelle pas ton cheval, il est juste à côté. Voilà. C'est en dessous. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Donc, c'est en dessous. Faut trouver l'entrée. Car rassurez-vous, il y a l'air d'avoir pas mal d'arbres fruitiers. Donc si jamais on trouve pas l'entrée, on pourra quand même passer un très très bon moment. Frère FR, salut MV, j'espère que les ampoules marchent bien. Ah, des bisous frère FR. Eh oui, incroyable. C'est incroyable, hein. Quand la MV Production va investir dans des ampoules, dans des bricolex, eh bien, elle tombe sur sa communauté. Donc en effet, les ampoules fonctionnent au poil. Des bisous. Je ne sais pas où je vais. Oh, vous avez vu cet arbre? Oh, c'est beau. Putain, ça m'appelle... Jean-Michel aime les avions. ok. Oh, il est beau celui-là. Bon, ah, ça se passe là maintenant. Eh ben, on voit une autre. Ah mais je tourne en rond. Ah mais voilà, mais je tourne en rond mon cul, on y est. Et en plus, en sus et en cadeau. Petit lézard. Peut-être moyen de moyenner un petit lézard, hein. Ça c'est en exclu ça. C'est du contenu exclusif, hein. Ah bah voilà.
voyez, enfin... Ah oui, non, on l'a clairement entendu. Alors là, désolé, mais... quand j'entends un lézard se démener comme ça... Ce lézard veut nous proposer un challenge, on va lui offrir le plus beau de ses combats. Quand on arrivera à escalader, visiblement. Ah oui, alors mais le son me mindfuck complètement, il est à l'intérieur là. Eh bien pas du tout. Ah, j'ai pas vu un truc là. Oh, ça me rend fou. Ah, moi pour un lézard, je ferai n'importe quoi. Quick, quick, squick, quick. Fouk, fouk. Fouk, fouk, donc. Alors. Toujours, hein. J'aurais. La boule magique. Pourquoi il y a un truc bizarre là? C'est quoi que j'ai récupéré? C'est la flamme Doun Doun? Flame Doun Doun! Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré de l'ecstasy? Vas-y, ça, je te l'interdis. En une rave party, je vais t'enfermer à clé. Flame of Doudoun. Mais c'est fou cette histoire. C'était dans le jeu original, ça? Non, c'était pas ça, hein. Il n'y avait pas le rail de coke, hein, dans la version. Oh mon dieu! Attendez, attendez, alors là on passe en mode sérieux. Là c'est la chasse. La chasse est ouverte, là. La chasse est ouverte. Je dois être lucide, discret, serein. Il est où ce connard de ses morts? J'en peux plus. Il se joue de moi. Oh, c'est chiant. Oh, je m'emmerde. Je vous le dis, hein, c'est eux les vrais colosses. Le vrai test de patience et d'adresse, ce sont les lézards. Hein. En fait, mieux vaut se tenir loin, faire le tour comme un con. Oula. Ah non, c'est mon cheval. Et dès qu'on a un visuel... Sniper Jean. Le problème, c'est que si on l'exécute pas d'une flèche... Il se relève et il recommence à se balader derrière. Et c'est l'enfer. Il y a aussi la possibilité qu'il clip et qu'il disparaisse, mais si c'est le cas, il faut s'en aller ou bien relancer le jeu. Et il ripopera. Bon allez, je déclare solennellement que j'en ai plein le cul. Oh, oh le con! Oh si je pouvais... Si j'ai juste la queue, elle va tomber et c'est parfait. Parfait, regardez, vous avez vu ça? Voilà, ça c'est une chasse responsable. J'ai eu sa queue, mais je l'ai laissé vivre. Alors. Alors. Oui, bon, on est clairement au bon endroit, hein. By the way. Allez. Bon alors si vous aimez Zelda, ce boss est fait pour vous. Oh là là. Bon, alors la problématique de cette cave, c'est que
On va être en fuite très souvent. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué de gérer devant et derrière, mais on va être obligé. Alors il est où? Il est par là a priori. Ah oui. Oui oui oui. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Hein. Ok, ok. Wow, 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 ok. Ok, ok, ok. Aïe, 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 aïe. La boule magique, merci Zangwen pour le host. Il va s'exploser. Et ça pareil hein. Faut doser un certain moment pour... Oh, très excellente musique également. Allez. Bouge-toi le cul. Ah, heureusement qu'on maîtrise la technique du saut. Ah ça c'est garanti hein, c'est speedrun friendly hein. Ok, on a eu le premier glyph. C'est pas mal. Aggro, par pitié, vite. Ok. Vise mieux. Joue mieux. Casse-toi. Si Doc Wex et Amstrad CPC 6128. Ah, les machines de qualité. Paf! Il faut se dépêcher par contre. Allez! Oula! Presque clippé à travers. Vite, 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 vite. La technique du saut. Le swag. Toujours plus de swag. Paf! Pas le temps de niaiser. J'ai pas envie qu'il... J'ai pas envie de le faire en trois phases. Oh le bâtard! Il fallait rester accroché. Finalement, fallait pas faire le beau. 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 Le cheval qui a peur, comme la France. Oh c'est terrible, ouais, ouais. J'aurais dû rester accroché finalement, il est un peu plus mobile. Et je vais être obligé de me retaper une phase, Oh je retente. Oh non, ouais, c'est pas trop friendly pour le saut ici. Oh vas-y, vas-y, reste rien, je t'en supplie. Tue-le, fais-moi plaisir. Oh je tente le jump là. Allez. La boule magique. Merci Lulu Naomi. Pour l'host. Merci beaucoup.
Quoi, le personnage meurt puis revient à la vie. Tu le sauras bien assez tôt. Husky. De toute façon, on va le faire d'une traite, hein, donc vous le verrez. Quoi que je dis ça... Ça va s'allonger au fur et à mesure. Mais comme je vous l'ai dit, on fera une pause, on va faire une pause manger, histoire de love. Après le prochain colosse. Bien, on avance pas mal. Je pensais à une autre cutscene, en fait, mais elle aura lieu, ouais, vraiment, peut-être... Vraisemblablement plus vers la fin. Enfin, vers les trois quarts du jeu. Bah, justement, peut-être après l'autre boss du désert. Alors. Un hôtel sur le premier lac. Ah! Très bien. Très bien, très bien. Ok, alors ce boss-là. On en reparle dans deux secondes, YouTube. Des bisous.